Bonjour à toutes et à tous, c'est Liga Universal de Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test ou vidéo découverte, ça c'est comme vous voulez, de Tomb Raider. En fait c'est le dernier, mais attendez, hop, attendez, je remets mon casque. C'est le dernier, on est sur PlayStation 3, je le précise. Voilà, je me suis déconnecté du PlayStation Store pour pas être emmerdé, on va dire, par les messages et tout ça. Et puis voilà, on va commencer. Tac. On est parti, oui. Normal, on va mettre... On est des champions. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Allez. Square Enix. Voilà, j'ai laissé la cinématique parce que je trouve que ça sert à rien de parler en même temps. Ah, on dirait qu'elle est pendue là. Ah. Production F. Ah, sac de viande. Crystal Dynamax. Avec mon accent voilà. Ah, j'aimerais pas être à sa place là. Ils auraient comme un cocon là. Ah d'accord, on bouge. Laisse-moi qui contrôle, c'est parti. Ah. Boum. Allez, viens me battre. Ah, non, non, non. Oh putain. Ah oui, il faut mettre le feu à la corde.
Vite. Donne le feu à la corde. Penche-toi. Je pense. Voilà. Voilà. Je suis mort ? Non. Ah, mais ça doit faire trop mal. Oula. Il est très bien cet endroit. Oh mon Dieu. Non. Non. J'ai oublié de dire, c'est développé par Square Enix. Bon, on l'a vu. C'est un jeu interdit au moins de 18 ans. Et il est à 59,99€. Voilà. Barrière inflammable. Faut que je trouve du feu. Là. Carré. Je précise que j'ai jamais joué avant. J'ai vu... J'ai même pas vu... Ah, faut maintenir. J'ai même pas vu de vidéo dessus. Enfin, si, j'ai vu une vidéo sur ce jeu, mais après, je me suis pas trop intéressée. Parce qu'en fait, quand je fais une découverte de jeu, je m'intéresse pas tellement... Il peut s'éteindre le feu ? Il a dû m'entendre. Non. Oh là là. Je m'intéresse pas tellement aux autres qui ont fait des vidéos dessus parce que. Sinon. Si je dis quelques mots pareils que ça va être du plagiat. Il s'éteint pas le feu là ? Avec l'eau ? Mais qui va éteindre le feu ? L2 pour examiner votre environnement. L2. J'examine. D'accord, ça sert à rien. Allez. Là, on peut pas passer. Plus. X pour sauter ou s'approcher. Ah oui, d'accord. Ah, ça va exploser ça. Et voilà. Le gros tonneau. Vite, vite, ça s'écroule. Oh, mais vite, vite. Allez. Mais oui, en même temps. Et voilà, j'en étais sûr. Allez, laisse-moi. Allez, connard. Vite. Bim. Salaud. Pas propre. Mais faut que j'avance, oui, d'accord. Genre, elle met la main là où elle met le feu. Très forte, Lara Croft. Oui, au cas où, si vous saviez pas, le... Une volonté de faire trouver une sortie. Oui, le personnage s'appelle Lara Croft. Voilà. Mettre une balle. Pas passer par là. Là, on va reprendre du feu. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Si on enflamme ça. Ah d'accord, ça. Parc, il est parti, c'est bon. Là, on peut monter. Triangle. Ah oui, d'accord. Et ça sert à quoi? J'ai pas tout compris. Attendez. Oui, d'accord, faut que je cours là-bas. J'ai pas tout compris là. C'était une survie.
Ah oui, mais faut peut-être que je fasse ça. Yeah. Et voilà, c'est ça. Ah, pas con, Mireille. Ah oui, j'ai compris. Et donc, les trucs, ça va faire retomber de l'autre côté. Ça sert à rien. Finalement... Ah, maintenant, il faut mettre le feu. Vite, pousse. Ah, d'accord. Maintenant, ça va exploser. Là. Et voilà. Finalement, c'est un petit peu comme... comme Uncharted. Tout ça. Vite, vite. C'est la lumière du jour. Vite. Cours. Non. Non. Là, la lumière du jour. Et comme par hasard, il y a un caillou qui va tomber. Non. Vite, glisse. C'est moi qui contrôle, là. Non. Oh là là, ça va faire trop mal. Dépêche-toi. La lumière du jour. Et ya. Mon dieu. Oh là là. Là, faut être réactif. Vite, cours. Mais laisse-moi, toi. Espèce de Rasta, va. J'ai rien contre les Rasta, mais... Ah, merde. Pourquoi j'ai parlé Rasta là? Oui, vite. Voilà, et lui, faut que je... Ah, mais il faut que je fasse rien. Oui, d'accord, j'ai compris. J'aime pas ça. Enfin, j'aime pas quand il y a des passages comme ça là. Saute vite! Triangle. Mais j'ai fait triangle. Ça va m'énerver tout ça. Bon, toi tu vas me lâcher là de suite. Ah d'accord. Fallait faire plein de fois triangle. Ouf, il a pris cher. Oh là là. Ya! Non, ne glisse pas! Non! Oh là là. Vite! Arrache-toi! Non! Oh là là. Non! La vitesse de réaction, quoi. Vite. Allez. Allez. Yes. Tu y es arrivé. Ça montre intact. Et sale. Oh la vie. Et là, Tomb Raider. Tout ce qu'elle a subi jusqu'à là, là, rien que jusqu'à là. Et ben, en fait, c'est une fille, donc Lara Croft, comme dans tous les épisodes de Tomb Raider. Mais où sont-ils ? Attendez, je laisse les cinématiques. Bon, voilà, elle doit se débrouiller toute seule, comme une île déserte, enfin comme une île déserte, comme sur une île déserte, ben on n'en est pas loin là. Ok, doucement.
Oh là là. Attendez, je suis concentrée là. Faut pas qu'elle tombe. Bravo. Elle est mal en point quand même là. Donc, mais ça me fait penser un petit peu, pour reprendre à ce que je disais tout à l'heure, ça me fait un petit peu penser à Vendredi ou la vie sauvage, le livre, pour ceux qui connaissent. On l'étudie, nous on l'étudie en 5e, ça fait un petit peu penser à ça. Quelqu'un qui se retrouve seul sur une espèce d'île déserte. Enfin, là c'est pas une île, mais presque, si, ça doit être une île. Je fais comment là, on m'explique? On va tenter. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, quand même, c'est comme Uncharted. Hein. Je voudrais pas chercher la merde, mais quand même. Allez, vas-y. Combien dure la vidéo? 16 minutes. Je pense que elle fera une petite demi-heure cette vidéo. Parce que les vidéos découvertes, ou les vidéos tests, je dirais plutôt découvertes. Les vidéos découvertes, ça dure assez longtemps. Ouh là là. Il a failli se faire découper en deux. Je précise, le jeu, je l'ai eu gratuit avec le PS Plus. Voilà. Il est gratuit avec le PS Plus, donc si vous avez le PlayStation Plus, il n'est pas gratuit avec ce mois-ci. Il faut juste taper Tomb Raider et vous l'aurez gratuitement. Le sac de Sam. Ah, il y a des gens qui sont venus ici. Sam. Sam. Ils ont dû passer par là. Pardon. Ross, est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Oui, et pour parler, pour un peu parler du défi qu'on m'a proposé là, sauter en parachute et l'ouvrir juste avant de tomber. Mais il sera bientôt fait, hein. Je vais bientôt le faire. Parce qu'en fait, on me dit, mais tu sors pas de vidéo la semaine. Mais oui, mais la semaine j'ai école, donc je peux pas faire de vidéo. Et voilà, donc le week-end, là on est vendredi soir. Et je peux en faire à partir du week-end. Parce que la semaine, je fais mes devoirs et tout. Donc, je peux pas forcément faire de vidéo. Ah, bah, elle est plus propre là. Elle doit se cailler un petit peu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Les graphismes sont plutôt pas mal. Hein. Allez, fais-toi un feu.
voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord. Ok, d'accord. Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Pour où on va aller? Oh. Ah oui, j'ai vu qu'au aussi qu'on avait un arc, on pouvait tuer les... Le pauvre homme. Oh putain. Voilà. Ah ben il est là, l'arc. On pouvait tuer les biches quoi, et se nourrir avec. Alors, faudrait pouvoir sauter quelque part là. Voilà. Je peux y arriver. Vite, attrape-le, mais... Bah... Salaud. Faut des flèches. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que y a un pigeon. On a des flèches automatiquement. Question. Que si tu te concentres, c'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je l'ai eu ? Oui. Vite, il faut aller le manger. Il faut absolument que je trouve à manger. Mais mange-le. Ok, es-tu pour le plaisir ? Ouais, peut-être qu'on peut pas manger un pigeon en même temps. C'était pas des flèches ? Comme par hasard. Ça aussi c'est des flèches. Et ben comme par hasard. Enfin comme par hasard. Il y en a un petit peu partout. Alors par où on pourrait aller là? Cette cahute, il n'y a rien. Bon ben on va faire un petit tour de la forêt. On peut monter par là. Non. Encore des flèches. Oui, des biches. Dans la tête. Bim, tu l'as eu, c'est bien. L'autre, elle est partie. Splendid. Boum. Oh non. Arrête-toi. Non, je l'aurais pas. Allez, n'aie pas peur. Oh, la pauvre. Non. En même temps, elle a pas trop le choix. Si elle veut manger, si elle veut survivre, surtout, elle a pas le choix. Bon, retour au camp. Pardon, petite.
Écoute, Lara, je peux tirer. Ah, il y a des flèches là. Tiens, mais il fait que pleuvoir dans cette jungle. Pas ça. Qui est par là? Qu'est-ce qu'on fait après? Oh, mais on va continuer par là-bas. Je sais pas du tout où il faut aller. Pas par là. Je suis perdu là. Hein? Ben, bonjour toi. T'en vas pas. Je suis trop loin d'ici. Puis me voilà et bug quand elle court. Bon, je vais essayer de. Je vais pas user les flèches pour l'instant. À mon avis, faut en tuer d'autres. À mon avis. Mais ouais, parce que là on peut pas passer. Là-bas il y a des flèches. Je sais pas du tout par où faut aller là. Oh, petit lapin. Bonjour toi. Tellement mignon. Ça va? Désolé. Désolé petit lapin. Mais d'accord, on peut pas le manger, mais je tue plus de lapin moi. C'est tellement bon la cuisse de lapin. Meurs toi. Genre il en faut combien pour mourir là? Mais elle mange plus maintenant. Ouais bah allez, c'est bon. On ne tue plus d'animaux les pauvres. J'ai déjà tué deux là. Mais récupère la flèche. Il y a des flèches dans la tête, elle l'a pas récupéré. Ouais. C'est un peu dégueulasse en même temps. Bon, je pense qu'il faut revenir vers un goût. Ah, ben voilà. Retourner au camp avec la viande. J'en étais sûr. Instinct de survie. Ben voilà, il est là-bas, le camp. Mais je me disais aussi. Il est là-bas. Le feu s'est pas arrêté. Un seul animal. Maîtrisé. Ah, d'accord. Ok. Requiert un point de compétence. Oh, faut que je revienne tuer de la viande. Mais... Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Rose, Sarah, tu es en vie. Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Voilà, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc maintenant j'ai compris, il faut tuer de la viande, revenir ici pour avoir des points de compétence, pour améliorer certains trucs. Je mets sur pause. Est-ce qu'on peut... On va retourner au menu principal. Depuis la dernière sauvegarde, mais oui. Voilà, donc
Je pense qu'il y aura d'autres épisodes. Ça, c'était la vidéo délire, mais ce jeu m'a bien plu. Donc, il y aura d'autres épisodes. Ça, c'est sûr. De ma part, j'en ferai d'autres. Et puis voilà, on va essayer de continuer et d'aller plus loin. Là, donc, c'était pour vous présenter un peu le jeu Tomb Raider. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres trucs derrière, que ce soit tout simplement Tomb Raider. Je sais pas. Voilà, c'était un petit avant-goût de ce jeu. Donc moi, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo pardon, vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à ciao, bonsoir. Salut!